arrivé à Londres du président chinois Xi Jinping, accompagné de son épouse Peng Luan pour une visite d'État de 4 jours au Royaume-Uni. Tapis rouge sur le tarmac pour cette visite sous le signe des relations économiques fructueuses entre les deux pays. Les investissements chinois en Grande-Bretagne risquent d'éclipser la question des droits de l'homme, comme le regrette le leader du Congrès mondial ouïghour, Rebiya Kader. Il est regrettable que le président Xi soit accueilli avec le tapis rouge, dit-elle. Il devrait savoir que le rouge du tapis vient du sang des Ouïghours, des Tibétains et des dissidents chinois. La signature d'accords économiques et culturels est attendue et le Premier ministre britannique se félicite que la Chine investisse davantage en Grande-Bretagne que dans les autres pays européens. Un accord majeur pourrait ainsi être scellé dans le secteur du nucléaire si la Chine confirmait la construction, avec son partenaire français EDF, de deux centrales à Hinkley dans l'ouest de l'Angleterre.